Bon les gars, je vous l'avais dit, un petit morceau de métal nous attend. Et les CF4, ce sont, je vous le dis bien, ce sont pour moi les seules enceintes de chez Klipsch, bah, que j'ai écoutées jusqu'à maintenant. Les seules enceintes de chez Klipsch qui peuvent encaisser du métal, du rock et du métal sans avoir de fatigue auditive. Voilà, je vous le dis vraiment, c'est pour ça que je suis. Pour moi, en fait, ces Klipsch-là n'ont que de nom Klipsch. Après, la signature sonore, je trouve qu'elle n'a rien à voir avec les Klipsch. Avec toutes les clips que j'ai pu entendre. Donc c'est un modèle vraiment très particulier et c'est pour ça que maintenant je comprends mieux pourquoi les personnes le recherchent. Bah, ils le recherchent, mais c'est tellement rare comme modèle. En plus, vous savez que j'ai la version 3 et j'ai un ami qui a la version 1. Il faudrait qu'un jour on puisse les comparer. Bon, après, je ne sais pas s'il y aura vraiment des grosses différences en termes de sonorité. Mais d'ailleurs, il m'avait dit aussi, mon cher ami Jean-Marc, il m'avait dit que sur la version 1 et 2, d'ailleurs, on pourra différencier déjà ces modèles-là. Parce que tu vois, là, moi, sur la mienne, c'est un petit peu satiné, brillant, c'est un petit peu brillant, satiné. Alors que sur les deux autres versions, en fait, la face avant. Elle est plutôt mate. Voilà. C'est pour ça qu'une fois je m'étais interrogé sur me dire tiens comment ça se fait que bah c'est pas. Est-ce que ça a été repeint ou quoi? Et en fait non, il avait vu dans un forum américain que c'était bien la version 3 qui était comme ça. Voilà pour la petite anecdote les gars, la petite info supplémentaire. Et voilà. Bon allez, je te fais écouter ce petit morceau de métal. Tu m'en diras des nouvelles. J'espère que ça va te plaire. Tu sais que moi tu connais, je suis pas un grand fan de métal, mais j'arrive à apprécier ce genre musical, voilà. En fait, c'est une ouverture d'esprit, comme je t'ai dit, sur la musique qu'il faut avoir, et c'est très important. Allez, je te passe le son. C'est sur les. Je crois que c'est les CF4 en premier.
vous a plu pour ceux qui aiment le métal en tout cas, mais là, waouh, c'est surprenant les différences qu'il peut y avoir entre ces deux belles clips. Je sais pas si t'as vu au niveau de la sensation physique sur la CF4 et après direct sur la RF7 MK3. Je trouve qu'il y a une abondance d'aigus qui est assez, on va dire, désagréable. Je trouve que c'est pas assez homogène. C'est pour ça que je comprends pas les personnes qui écoutent, je vous le dis encore et encore, du métal ou du rock sur des RF7. Je ne trouve pas ça inadmissible, mais je ne trouve pas ça non plus cohérent. Voilà, tout simplement. Vraiment, je vous le dis, les gars. Une fois que t'as, enfin, pour ceux qui écoutent du métal sur les RF7, eh ben, venez les écouter sur les CF4 et vous verrez que voilà, il y a un monde de géants, un pas de géants qui les sépare. Voilà. Bon, je vais vous passer un autre morceau de musique un peu plus calme cette fois-ci.